trois raisons principales nous ont conduit à nous intéresser donc à la protection maternelle et infantile. Donc la première raison, c'est la santé de la mère et de l'enfant, qui est relativement bonne en France, mais qui est plutôt moyenne par rapport à l'Europe. Donc des signaux inquiétants persistent, comme le tabac, l'alcool, et puis des nouveaux risques arrivent, comme l'avancée en âge des femmes, les addictions, et puis le surpoids, surtout la prise de poids, l'obésité. Autant de facteurs donc, qui ont des conséquences sur la santé de la mère et de l'enfant. Donc la prévention précoce est essentielle, et c'est pour cela que la PMI est utile. Le projet d'avis note aussi le problème important qui existe dans les territoires d'outre-mer, où la mortalité, le taux de mortalité infantile, la prématurité et le nombre d'enfants de petit poids est beaucoup plus important qu'en métropole. Une deuxième raison, c'est que l'état général de santé de la population résulte de multiples facteurs. Au-delà des facteurs de santé, il y a les conditions économiques, sociales et environnementales. Et puis des nouveaux besoins apparaissent, comme avec la réduction de la durée de temps à la maternité, donc à la maternité après l'accouchement. Et en réponse donc à ce contexte, il faut informer le plus rapidement les parents, et la PMI est là pour leur apporter des réponses, leur donner des conseils. Donc les centres et les équipes de PMI donc sont au nombre de ces acteurs qui interviennent, qui peuvent apporter ces réponses. Et puis la crise économique, les difficultés financières des familles et des personnes, et puis la situation dégradée donc des finances publiques interrogent le positionnement de la PMI. Face à ces difficultés, certains sont prêts à réserver la PMI à des populations plus vulnérables, et ce qui donc en abandonnant donc le caractère universel de la PMI. Alors, il est d'abord important de rappeler l'originalité de la PMI. D'abord, en premier lieu, la PMI est un service public départemental géré par les conseils généraux. C'est la seule organisation compétente dans le champ sanitaire et décentralisée. Elle permet une intervention pluridisciplinaire et multisectorielle. Pluridisciplinaire parce que d'abord la PMI réunit des professionnels de santé, des médecins, des sages-femmes, des infirmières, des personnels médico-sociaux, des auxiliaires de puériculture, et puis du personnel du champ du social et de l'accompagnement par les conseillers conjugaux, par exemple. Et multisectorielle parce qu'elle atténue les frontières traditionnelles entre le sanitaire, le médico-social et le social. La PMI donc met en place des actions de prévention, d'éducation en santé, dont on sait qu'elles font cruellement défaut, car on est beaucoup plus axé sur le curatif que sur le préventif. Et puis dernier atout, mais un des moindres, la PMI est un acteur de proximité qui intervient au plus près des familles et s'adapte donc aux besoins des familles sur un bassin de vie. Et puis, les zones de fragilité, comme vous l'avez demandé, là, les zones de fragilité, donc elles existent toutefois par les PMI, qui font peser sur ces services une incertitude quant à leur avenir. Le schéma de financement des PMI, comme leur schéma de gouvernance, sont complexes. Les compétences sanitaires des PMI donc, sont partagées entre l'État, les conseils généraux et les organismes de protection sociale. La compétence médico-sociale et une compétence stricte des départements. Et depuis 1970, donc les PMI ont dû faire face à un élargissement de leurs compétences. L'évolution la plus récente remonte à 2007, en intégrant à la PMI la politique de protection de l'enfance. Et à travers cette mission d'évaluation des informations préoccupantes et de signalement, donc cette évolution a peut-être eu pour conséquence de ternir l'image de la PMI. Autre zone de fragilité, des disparités territoriales existent. L'IGAS l'a souligné, c'est que les départements urbains sont beaucoup mieux dotés en consultation prénatale et infantile, beaucoup mieux dotés que les départements ruraux.
Alors, le projet d'avis formule 14 propositions pour assurer donc la pérennité de cette institution qui est originale. Alors, la feuille de route se décline en trois axes. Donc, le premier axe, c'est réaffirmer le caractère de service public de la PMI, l'enjeu étant de sauvegarder son accessibilité, sa gratuité et la proximité, donc, et de répondre ainsi au plus près des familles. Alors, deux pistes sont mises en œuvre pour y parvenir. D'abord, repositionner la PMI comme un outil de mise en œuvre d'une stratégie nationale de santé, avec une priorité la prévention, la proximité et la réduction des inégalités. Pour ce faire, la PMI doit être pleinement intégrée au service territorial de santé au public et donc être dans le projet de loi santé. Réaffirmer donc le rôle de la PMI dans son action plurielle, centre de premier recours, acteur de la prise en charge périnatale, acteur de prévention, acteur déterminant de collecte des données de santé en matière épidémiologique. Donc, favoriser le savoir-faire de la PMI en développant les coopérations et notamment les coopérations avec l'assurance maladie. Pour cela, il faut placer la PMI au centre de la coordination des parcours de santé des parents et des jeunes enfants sur un territoire. Il faut aussi poursuivre et évaluer les partenariats avec l'assurance maladie et pour cela permettre aux PMI d'avoir une action de prévention telle que la lutte contre le tabagisme ou encore la prévention du surpoids de la mère et de l'enfant. Et puis mieux apprécier la contribution des PMI aux politiques publiques. Alors il s'agit de mieux documenter les études et les analyses sur la PMI qui font beaucoup défaut, très peu. Inscrire des priorités nationales et des moyens suffisants. Cet axe 5 s'intéresse donc à la gouvernance de la PMI, après avoir pris soin de repréciser les missions de la PMI, où sa plus-value est la plus importante. Il faut préciser pour cela le rôle de la PMI quant à la qualité de l'accueil donc, de la petite enfance, au travers de l'agrément des assistances maternelles et de l'autorisation des établissements d'accueil des jeunes enfants. Cela suppose également de réinterroger le rôle de la PMI dans la protection de l'enfance. L'accent doit être mis donc, pour garantir la PMI sur le suivi des enfants de moins de 6 ans. L'enjeu de cette remise à plat des activités développées par la PMI donc, se trouve dans le renforcement de l'attractivité de l'exercice professionnel. Cette attractivité passe par la revalorisation des métiers au travers d'une harmonisation du statut des professionnels et par la promotion des délégations d'actes.